célébrations du 20 novembre au 18 décembre. Une seule adresse, rue du Moulin, numéro 400 à 4020 Liège-Bressou. Célébration, un rendez-vous à ne pas manquer. Hallo, ich grüße euch alle im Namen Jesus Christus. Mein Name ist Tabitha und ich bete hier in der Gemeinde Église de Dieu le Réveil in Liège-Lüttich. Und ich möchte euch ganz herzlich einladen zu unserer Zelebration, die stattfindet in diesem Monat November, hat angefangen am 18. und endet am 18. Dezember. Ich lade dich ganz herzlich ein, mit uns gemeinsam den Herrn zu danken für all das, was er für uns in diesem Jahr gemacht hat. Bleib nicht zu Hause, wenn du keine feste Gemeinde hast, komm gerne zu uns. Und sonst treffen wir uns halt jeden Tag ab 18 Uhr bis 20 Uhr und an Sonntagen von 10 bis 13 Uhr. Gott segne euch. Bonsoir à tous, je m'appelle Vanessa. Donc nous sommes à l'église de Dieu le Réveil à Liège et je voudrais partager ce que j'ai ressenti depuis le premier jour de la célébration. Donc nous avons commencé notre célébration dimanche dernier et ce n'est pas une célébration habituelle. C'est une célébration dans laquelle vraiment chacun peut se retrouver. On a commencé avec beaucoup de joie, une joie vraiment à laquelle je ne pouvais pas m'attendre. J'ai l'habitude de venir à la célébration et aucune se ressemble. Et encore une fois, Dieu ne m'a pas déçue. Depuis le commencement, je n'ai que de la motivation pour venir tous les jours, pour me surpasser, pour dépasser les obstacles en fait, et venir tous les jours, même si voilà, y a le travail, il peut y avoir des embouteillages, mais en fait, la célébration, le fait de savoir qu'à la fin de la journée, je vais pouvoir venir célébrer mon Dieu au milieu de mes frères, au milieu de mes sœurs, depuis le début, ça me motive. Donc voilà, j'aimerais juste encourager quelqu'un à venir et être dans la joie de savoir que tu peux venir célébrer avec nous. Donc moi je m'appelle Tabitha et je rejoins tout à fait ce que ma sœur Vanessa vient de dire. En fait quand on dit qu'on est animé dans notre esprit, moi personnellement je le ressens vraiment. Puisque en fait on peut trouver mille excuses, on part travailler, on revient tard à la maison, mais on prend quand même le courage, enfin moi personnellement, je prends quand même le courage de venir dans la maison de Dieu parce que je sais que ici dans la louange, il y a des choses qui se passent. Ta vie peut changer en un instant en fait, juste par la louange. Tu n'es pas obligé de faire des longues prières, des prières de une heure par terre, non. Tu loues ton Dieu d'un cœur sincère. Et pour moi, honnêtement, malheureusement, je n'ai pas été le premier jour, donc le dimanche, j'ai été hier et aujourd'hui. Et rien que pendant ces deux jours-là, je suis énormément bénie. J'ai été énormément reboostée dans ma vie personnelle, dans ma vie de prière. Et je ne peux qu'encourager que tu partes au travail, que tu partes à l'école. Nous tous, charnellement, on est fatigués, mais dans l'esprit, on tient. Donc je t'encourage, viens à l'église, viens célébrer avec nous et tu ne regretteras en tout cas pas du tout. Voilà, que Dieu vous bénisse. Il y a de la place pour tout le monde, donc vraiment, venez célébrer. C'est ce qui ouvre les portes dans nos vies. La célébration, ça change. Comme elle l'a dit, ça change une vie. On vous attend. Je suis le frère Christian Madin, le dirigeant principal de la chorale de l'église de Dieu le Réveil. Alors nous sommes très contents pour ces 30 jours de célébration 2022. On se posait des questions comment ça allait se passer les années précédentes, surtout pendant la Covid. Mais le Seigneur nous a fait grâce et on est là de nouveau ensemble, on peut chanter en chorale de masse, comme vous avez pu voir les images aujourd'hui.
faisait longtemps qu'on n'allait plus chanter avec une croix, le masque comme ça. Mais par la grâce des dieux, on a pu le faire encore aujourd'hui. Donc nous bénissons le Seigneur pour cela. Alors nous vous invitons à venir célébrer avec nous, d'être reconnaissant pour ce que le Seigneur a fait et ce qu'il n'a pas fait, et certainement qu'il le fera. De toute façon, le Seigneur, il fait toujours ce qui est bon pour nous, ce qui nous convient, ce dont nous avons vraiment besoin, c'est ce que le Seigneur fait pour nous. Donc venons lui rendre la gloire parce qu'il le mérite. Nous ne le célébrons pas parce qu'il a fait ou parce qu'il n'a pas fait, nous le célébrons parce qu'il est Dieu. Joignez-vous à nous et glorifions le Seigneur ensemble. Je suis l'un des serviteurs de l'église de Dieu le Réveil de Liège. Que Dieu vous bénisse abondamment. En fait, là, on est en train de. Donc voilà, on a commencé le premier jour de notre célébration pour louer Dieu, comme le pasteur principal de l'église a dit tantôt pendant la prédication. Il a dit. Dieu nous a donné cette révélation de l'adorer, de le louer, de le célébrer chaque année. Et notre année pour nous, les enfants de l'Église de le Réveil, ça finit sur le mois de novembre. À partir de novembre, nous finissons notre année et nous commençons la célébration pour célébrer Dieu pour tout ce qu'il a fait depuis le mois de janvier de l'année qui commence et jusqu'au mois de novembre. C'est ce qu'il vient de se faire. Et aujourd'hui, c'était le premier jour de notre célébration. Que Dieu s'est manifesté encore puissamment. Les gens demandaient, mais pourquoi vous adorez pas? Nous adorons parce que c'est lui qui nous a créés. Il nous a créés pour l'adorer. Dieu nous a créés pour le servir, en fait. Et un autre moyen de servir l'Éternel, de le louer, de l'exalter, de le célébrer pour tout ce qu'il est. Il est bon, il est si merveilleux, il mérite cela. Donc, et la Bible déclare, un peuple sans révélation, c'est un peuple mort. Et moi, je dis, nous, à l'Église de Dieu, le Réveil, nous ne sommes pas un peuple mort parce que Dieu nous révèle des choses comme le pasteur François Moutombo l'a dit. Vous êtes vraiment une Église bénie. Il y a des gens qui ne célèbrent pas Dieu, mais nous sommes une Église qui célèbre l'Éternel et chaque année pour tout ce qu'il fait pour nous. Vraiment, ce que j'avais à nous dire, nous les chrétiens, ne manquons pas à ce moment. Venez, adorons, louez, exaltez Dieu, célébrez-le pour tout ce qu'il a fait dans nos vies pendant le début de cette année et jusqu'à aujourd'hui. Il a fait des choses merveilleuses. Il nous a délivrés de la COVID. Il nous a protégés, il nous a sauvés. Vraiment, notre Dieu mérite l'adoration, la louange. Comme la Bible dit, vous me connaissez comme Dieu, mais vous ne me louez pas comme Dieu. Nous voulons les louer comme Dieu, les mettre à la place de Dieu. Pas n'importe quel Dieu, mais le véritable Dieu. Comme dit la Bible, le livre de Jean, chapitre 1, Jean 5, 20. Le Saint-Esprit nous a donné l'intelligence de comprendre que nous sommes dans le véritable. À son Fils Jésus qui est le Dieu véritable, et nous ne tâtonnons pas. Le Dieu que nous célébrons, il s'appelle Jésus. C'est lui que nous louons, nous l'exaltons, et il est vraiment le véritable Dieu. Alors, peuple de Dieu, venez. Venez, adorons l'Éternel. Venez louer Jésus-Christ. Et à la fin de cette adoration, de ces louanges, de cette célébration, nous allons recevoir des choses merveilleuses, des choses dignes qui viennent de l'Éternel, des choses qui ne périssent pas, qui sera éternelle jusqu'à ce que le Christ viendra. Que le bon Dieu vous bénisse abondamment. Peuple de Dieu, c'est le prophète Benny Oga. Je voudrais partager avec vous mes impressions par rapport à cette grande fête qui est la célébration qu'organise l'Église et Dieu les réveils précisément situé à Liège. Moi, c'est la première fois que j'ai participé. C'est la première fois et ça coïncide au premier jour de la célébration. Et lorsque nous allons dans la parole de Dieu, la première fois où Dieu a parlé de la célébration, il a associé un ordre dessus. Il a dit aux enfants d'Israël, il a dit à Moïse, vous me célébrerez tout le mois en cette date. C'était un ordre. Ça veut dire qu'il fait partie des acquis que nous avons reçus auprès du Seigneur Jésus lorsque nous devenons enfants de Dieu, de consacrer dans des temps, dans des périodes précises, des moments où nous devons célébrer la gloire de Dieu, la main de Dieu. Et aujourd'hui, nous avons été conduits dans une atmosphère extraordinaire
dans l'adoration, dans la louange, la prédication. C'était formidable. Et j'aimerais aussi inviter à mes bien-aimés, vous qui allez nous suivre partout où vous êtes, si vous pouvez nous rejoindre pendant cette période, venir glorifier Dieu et adorer le Seigneur. Il y a un secret dans la célébration. Lorsque vous célébrez Dieu pour les choses qu'il a fait, comme lui, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement, Dieu vous donnera une occasion, une raison de plus pour continuer à les célébrer demain. Parce que ce n'est pas le Dieu du passé. La célébration, c'est célébrer Dieu pour les choses qu'il a fait. Mais quand on dit Seigneur, merci parce que tu m'as donné, il va maintenant te donner des choses pour lesquelles tu vas les rendre grâce demain. Vraiment, nous sommes bénis par rapport à ces programmes de célébration et je serai là tout le jour jusqu'au 18 décembre. Que Dieu nous bénisse. Merci beaucoup.